La guerre de Jugurtha, c'est Sallust. C'était quoi ses références à lui? Les références de Sallust, c'était quoi? Voilà. Mais on le croit. Maintenant, c'est notre référence, c'est Sallust. Mais lui, il avait quoi comme référence? Oui, ce que je te dis. Aujourd'hui, toi, si tu essayes de ramener quelque chose, une histoire, tu essayes même ce que font les fouilles, l'archéologue. Ils font des fouilles et ils prennent, d'après ses études, ils te disent ça, ça vient du. Il y a 4 siècles, 8 siècles, 10 siècles, 100 siècles. D'où ça vient ça? Et on le croit. Ouais. Parce que déjà, ça fait partie de leur culture d'être crédible, que leur peuple, population les croit. Quand même, ils citent des instituts. J'ai dit que le berbère n'est pas une ethnie. C'est un ensemble de peuples. Il y a plusieurs peuples qui vivent sur la même terre, même culture, mais ils sont nombreux. Alors, il y en a un qui me dit que c'est une légende, parce qu'on dit que Hercule le Libyen, quand il avait pris l'Espagne, Libérie, ils l'ont appelé, quand il avait pris, il y avait avec lui des Mèdes, des Hyksos, il y avait des Arméniens, il y avait des Perses. Il m'a dit non, jamais un Perse sera berbère. Je vous dis, ça, c'est la réalité. Ce qu'on appelle les morts, c'est un mensonge. Peut-être les Numides étaient plus ou moins. Mais les morts, si. Et après, on a fait. Les morts et les Numides, c'est tous devenus des berbères. Donc, il n'a pas accepté ça. Ben, c'est lui qui ne me parle plus maintenant. Il n'a pas accepté ça. Il a dit jamais, moi, je suis Kabyle, Amazigh. Je lui dis, dans ce cas, Amazigh, tu ne l'es pas. Tu dis Kabyle, mais tu n'es pas Amazigh. Et il m'a dit, pourquoi je dis les Amazigh sont dans le moyen Atlas. Ouais, si on va commencer à chercher la petite bête. Une petite question, elle rentre peut-être dans le cadre de ce qu'on discute. Les Mozabites, ils sont d'où? J'en ai à foutre qu'ils sont d'où. C'est des Mozabites, c'est des Berbères. Non, il y a par exemple, je fouille un petit peu sur le net, j'ai trouvé un petit reportage de la 5. Qui dit que ça fait 11 siècles que les Mozabites sont arrivés de Ravdeir, ils sont arrivés de l'Irak. Oui. Et après? C'est ça. Et après? Bah, raconte-moi. Dis-moi, il existe des Français? Un Français, il existe? Un non, Américain, il existe? Crois pas. Mais c'est la même chose. Écoute, voilà, pour venir, on vient, les Américains, ils sont là depuis quelques siècles, il y en a même qui sont depuis deux siècles, même pas deux siècles, les Américains, les Irlandais, tout ça, il y en a là-bas, ils sont Américains. Nous, voilà, comme tu dis, 11 siècles qu'il est chez nous, 11 siècles qu'il parle notre langue, qu'il partage notre histoire, notre identité, notre terre, et on dit, ah non, non, il est venu d'Irak. Il est venu d'Irak et tout se concentre sur l'islam, hein. Oui, oui, oui. À aucun moment, je n'ai vu quelque chose en dehors de l'islam. La madrasa, et qu'ils le disent bien les Français, hein, ils le prononcent très bien, la madrasa, et l'école coranique et leur vie se limitent là. À aucun moment, ils n'ont fait référence à leur identité ou à leur langue, à quoi que ce soit. C'est des Arabes venus de là. Et ils s'appellent Mozabites. Peut-être parce qu'ils sont plus crédibles que toi, les Français. Voilà. Pour dire ça, et on ne leur demande pas de vous ramener vos références. Non, mais ça m'est arrivé une fois en 2001-2002, j'avais dit que la langue berbère, c'est la mère de toutes les langues. Ouais. Toutes les langues sont parties du berbère. J'ai osé dire ça. Et j'ai dit que Tichinar, c'est la première écriture de l'humanité, sur le plan des symboles, il y a 40 siècles qu'elle existe, 40 000 ans qu'elle existe. Et tout le monde s'est foutu de moi, c'est du chauvinisme, tu te prends pour qui? Et il y a un an ou deux ans de ça, un Américain qui a dit la même chose, je te jure, c'est pratiquement du plagiat, il a dit la même chose, tout le monde a applaudi. Voilà. Parce qu'on sous-estime, si je te dis aujourd'hui, nous sommes les meilleurs, nous, les gens vont rigoler, ils rigolent sur lui, ils vont dire, ferme ta gueule. Oui, parce qu'on nous a appris à nous taire. Il y a Selim Shaker, quand il est parti dans les Oresphères et une enquête sur le berbère, il est revenu, il dit,
En étant très généreux, je dirais que les Chaouis sont arabes à 60%. Qu'est-ce que je disais tout à l'heure dehors? C'est ce qu'il a dit. Je lui ai dit, si on trouve le Saoud, on ne trouvera que des Arabes dedans aujourd'hui. Et quand il est reparti plus tard, quelques années plus tard, il a revu à la baisse son truc. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, quand il était parti, tu sais, dans les années 70, on avait honte de se dire Chaoui. Attends, être arabe, c'est quelque chose de... C'est bien sûr, c'est valorisant tout ça. Mais ça continue. Bien sûr, ça continue. Maintenant, il n'y a que les quelques jeunes qui, quand même, ils résistent à ça. Et aujourd'hui, les jeunes-là dont tu parles. Ah, ils ont été castrés. Ouais, mais aujourd'hui, à l'université, à l'école, ils demandent à ce qu'ils étudient le tamazight en arabe. Oui. Ils demandent de force, hein, ouais. Les chaouis. Ouais. Voilà. Je sais. Voilà le mal. La langue arabe, je te dis. Pour moi-même, en latin, je n'accepte pas. Hein? Moi, je n'accepte ni en latin ni en. Je n'accepte pas, je veux l'écrire dans ma langue. J'ai un caractère. Voilà. Voilà. C'est bon. Et il y a pire que ça. Je ne sais pas si vous avez suivi. Excuse-moi, je ne sais pas si ça peut se faire comme ça. C'est pas grave. Là, après, on va parler du temps. Parce qu'il faut m'arrêter, moi. Moi, je. Non, vas-y. Voilà. Oui, Il y a un peu de monde. Bonjour. Bonjour tout le monde. Donc juste pour revenir, alors on va essayer d'avancer sur le temps justement. Je voulais juste rappeler une petite histoire que quelqu'un m'a racontée. Je ne vous dirai pas qui c'est. Non, il m'a juste raconté comment la création a eu lieu. Comment Dieu a créé l'univers. En fait, il se sentait seul. Il était assis sur son trône, porté par les chérubins. Il flottait sur l'eau. On disait qu'il n'y avait que de l'eau. D'ailleurs, que d'eau. L'eau. Qui était sur le... C'est Dieu. C'est pour dire qu'il était en dehors de tout ça. D'accord. Donc quand il a voulu créer ça, il a ordonné aux eaux de se séparer. Donc il y a eu les eaux du bas et les eaux du haut. Il a créé l'univers entre les deux, sur une surface plane et solide. Et autour, il n'y a que de l'eau à l'infini. Et cette eau, c'est ce qu'on appelle le temps, le fleuve du temps. Donc ce fleuve va nous emmener, je ne sais pas où, à un point que Dieu seul sait. Il y a beaucoup de religions qui ont repris ça. J'avais dit, alors dans ce cas, comment peut-on expliquer le phénomène des tremblements de terre? Alors il m'a dit, c'est bien simple. Regarde, la contradiction, elle est venue juste après. Il a dit, enfin, la terre, elle est comme une boule, donc déjà elle n'est plus plate, elle est comme une boule sur les cornes d'un taureau. Ah. Quand oui, le taureau... Ça, c'est une légende kabyle. Elle est en Égypte aussi. Hein. Oui, oui, c'est une légende berbère en fait. C'est le taureau qui a bougé. Qui bouge, voilà, quand il est fatigué sur une corne, il la balance sur l'autre. Il la balance sur l'autre, donc il y a un séisme. Donc il y a un séisme et tout ça, ça bouge. Alors, je dis dans ce cas, si la Terre est, on dirait comme une boule, donc elle est ronde. Oui. Il m'a dit non, c'est juste une image, mais elle est plate. Ah, c'est juste une image. C'est juste une image. Il m'a dit la preuve qu'elle est plate, c'est le soleil. Le soleil, il vient de l'est, et il va vers l'ouest, oui. Il se couche à l'ouest. Et Dieu le prend, il le trempe dans les eaux de l'ouest pour lui redonner de la brillance, pour le ramener le lendemain. Il a du boulot, c'est Dieu, là, tous les jours. Il me dit, il y a des exégètes et tout ça, d'autres. Je pense que l'on prie chez Héraclite, c'est lui qui disait que à chaque jour, un soleil nouveau qui naît. Chaque jour, c'est un nouveau soleil. Jamais le même. Donc, il m'avait dit ça. Je lui dis, dans ce cas, il y a une chanson qui, chez nous, on dit qu'elle date de même avant que Kahina existait. Elle dit, je ne sais pas si vous allez comprendre, Ezli Ezli Ahamurth, Ezli Ezli Urnit Murth. Urnit Fuchth. C'est-à-dire, tourne, tourne, ô terre, tourne autour du soleil. Comment peux-tu m'expliquer ça? Il m'a dit, ça, c'est un délire de poète. Donc il avait... Oui. Là, j'ai compris, c'est-à-dire, il y en a un dogme. La religion, toutes les religions, hein, c'est des dogmes. Tu crois et un point, c'est tout. Tu n'as pas besoin de discuter. Et après, il y a la science. La science, elle agit autrement.
elle a mis des axiomes. Donc c'est une sorte de compromis, tu acceptes. 2 plus 2 est égal à 4. On aurait pu dire 3 et ça aurait pu être une logique. Mais c'est une logique mathématique. Oui. Mais si je te dis, par contre, maintenant, si je veux discuter cet axiome, je ne peux pas, en restant dans la science. Mais si je vais vers la métaphysique, je peux. Un peu de philosophie. Donc je vais dire 2 plus 2, j'ai 2 oranges et 2 pommes. Ça fait quoi ? 4 fruits. 4 fruits. Pourquoi ? Mais je ne peux pas dire si orange ou je dois utiliser le mot fruit. Parce que l'axiome, c'est-à-dire, on l'a appris, mais inconsciemment, on sait que cet axiome qui dit 2 plus 2, c'est 2 unités plus 2 unités. Donc ça fera 4 unités. Il y a toujours, il y a le 4 lié. Mais si on passe dans la philosophie, ça change tout. Ça va donc changer. Et là, moi, je suis convaincu que les anciens connaissent beaucoup, beaucoup, beaucoup sur tout. Sur notre réalité et tout ça. Et ils nous ont laissé pas mal de choses qu'on n'a pas... Sur le cerveau. C'est-à-dire, le problème qu'on a, c'est-à-dire, nous, notre travail, normalement, c'est comme tu prends un mannequin ou une femme, par exemple, tu veux l'habiller, ou tu vas de la voir dans sa réalité, il faut déshabiller. Tant que tu as un habit artificiel, donc tu as tort des artifices, tu n'es jamais devant la réalité. Comment faire donc pour enlever tout ça? Il y a un exemple que j'aime beaucoup, que M. Diaz il connaît, c'est celui-là. Là, je vous montre quoi? C'est quoi la figure? Elle est quoi? Rectangulaire. Elle est rectangulaire. C'est un rectangle. C'est vrai ou pas? Ça, c'est quoi? C'est pareil. C'est pas logique. Pourquoi tu dis ça? Parce que, parce que tu as appris à l'école, on a... La longueur et la largeur. Ça, c'est plus grand que ça, donc c'est un rectangle. À condition, bien sûr, qu'il soit parallèle. Il y a deux parallèles. Qui, ouais. Donc, on apprend que c'est un... Eh bien, en berbère, non. Ça, c'est un rectangle. Ça ne l'est pas. C'est quoi? On va prendre ça. Ça, c'est quoi? C'est un carré. Je fais ça. C'est toujours un carré. Ouais. Pourquoi? Parce que ce côté est égal à celui-là. Mais si je fais ça... Losange. C'est un losange. Mais ça peut pas être un. Pourquoi? Puisqu'on avait dit c'est un carré, regarde le côté, tout est pareil. Qu'est-ce qui a changé? Rien. Juste la position. Oui, mais pourquoi? Il a un sens. Mais pourquoi justement ça? Parce que tout simplement, au début, on a dit c'est un carré. Parce que c'est par rapport à la hauteur qu'on a dit c'est un carré. Mais si je fais ça, la hauteur, c'est ce qui est... donc, c'est l'angle lui-même qui devient la référence. Donc, c'est pour ça. Et dans le rectangle, c'est pareil. D'ailleurs, dans le langage populaire, qu'est-ce qu'on dit? On dit, même en français, quand on dit quelque chose oblong, c'est-à-dire qu'il est tout en longueur. Et ce qui n'est pas tout en longueur, il est tout en largeur. Tout en largeur, ça veut dire la largeur, elle est supérieure à la longueur. Pourquoi? Parce que chez les Berbères, eux, nous on a conservé ça, les autres, c'est à cause de la géométrie, ce qu'ils ont appris à l'école, on arrive à changer. Nous, on n'a pas appris ça, on n'a pas appris ça à l'école. Donc pour nous, ça, c'est ce qu'on appelle Ashraf, et ça, c'est ce qu'on appelle Azibi. C'est pas la même chose. Ashraf, c'est ça. Ashraf. Oui, et ça, c'est Azibi. Oui. Donc ça, même des petits terrains, des lots de terrains, chez nous, comme ça, autour des maisons. Là, il est né. S'il va comme ça, la charab, s'il va comme ça, la zébi. Mais s'il va dans ce sens, la zébi. Oui, oui. Ça, charab. Et ça prouve tout simplement que notre référence, elle est toujours sur la terre. On va dormir un peu moins bête aujourd'hui. Donc, c'est bien précis. Pourquoi? Parce que chez nous, dans notre notion à nous, la longueur et la largeur ne sont pas définies par leur dimension, mais par leur position. Ça, c'est la largeur, et ça, c'est la largeur. Donc, au nord et au sud, c'est comme les points cardinaux. Si tu prends une boussole, tu la changes comme tu veux d'eux, le nord reste le nord. Et bien, pareil pour nous. Ça, c'est la largeur. Si je fais ça, c'est ça la largeur. Donc, la largeur est supérieure à la longueur. Si, pour accepter ça, il faut donc se débarrasser de tous nos acquis. Si on ne fait pas ça, j'ai entendu qu'il y a un truc qui se fait sur le mariage kabyle et tout ça. J'ai demandé est-ce qu'il y a la fatiha dedans. Il m'a dit oui. Non, ça ne c'est pas un mariage kabyle.
Oui, c'est pas un mariage qui a... C'est fini, bien sûr. Dès que tu me dis Fatiha, khlas. Sincèrement, je vais le faire bientôt et je... c'est un combat que je vais mener là pour ne pas faire de Fatiha. Nietzsche. Ben bien sûr, bien sûr. C'est incroyable. Ah oui, c'est un combat. Va voir les quatre dealers de pas de Fatiha. Moi, je suis contre aussi, alors, de toute façon. Donc, c'est vrai, hein, mariage kabyle, il faut vraiment que ça soit hors religion. C'est ce que je te dis, il faut, pour, il faut, c'est comme un mannequin, tu dois tout déshabiller totalement. Mmh. Et tu le prends dans sa réalité. Sinon, tu n'arrives à rien. Et là, on arrive, donc, si la Terre n'était pas ronde, si l'univers n'est pas comme ça, comment on peut expliquer ça? Ça, c'est kabyle. Ça vient de chez les Ma'afqa. Et vous allez voir, regardez, 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 saisons. Donc c'est un calendrier embolismique, c'est 13 mois, obligatoire. Tu as le serpent qui tourne. Tu vois, 28, les saisons, elles font 3 fois 28 jours. 28, 28, 28. Si on multiplie 28 par 13, ça nous fait 364 jours. Il nous manquera une journée. Comment se fait-il qu'il manque une journée ? La première, ça peut s'expliquer parce que le calendrier commence à zéro. Mais quand il fait le tour du cycle, le zéro, il disparaît. Donc on doit passer normalement du dernier jour au premier jour. Si on a ce qu'ils font, eux, les intelligents, les anciens, ils ont mis une sorte de serpent, c'est lui qui fait tourner, c'est la roue, on appelle ça la roue agraire. Il la fait tourner, une fois arrivé là, il se mord la queue, il y a une contorsion qui dure vers à peu près 24 heures. Il va, c'est-à-dire pas un recommencement de l'année, mais un commencement, un nouveau temps, c'est une spirale. Donc, chez nous, ça tourne en spirale, et non pas, c'est pas à la fin, on recommence le cycle à zéro. Non, chez eux, c'est comme ça. On a ici, une fois, dès qu'il s'est mordu, il redescend. Il redescend, là, on a les graines, il va, donc, dans le centre de la terre, il va tout planter. Et il va refaire le tour, il le fait à l'envers. Arrivé ici, il va ressortir. Bon, les femmes des Ma'afqa, elles disent que c'est les âmes des ancêtres qui descendent et qui repartent. Oui. C'est aussi bien. Hein, quoi qu'il en soit, c'est le dessin, c'est un exemplaire. Et elles le font aussi détaillé que ça. Ah oui, oui, oui. Elle est détaillée, regardez, même le serpent, regarde. Là, on a, par exemple, là, on a 5 points, là, regardez. 5, 5, 5, 5, toujours 5 points. C'est la graine qui est là, c'est-à-dire la terre, symbolisée dans une croix, et au milieu, c'est la graine. Partout, 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 elle suit. Dès qu'il arrive le printemps, l'époque des labours et tout ça, il n'y est plus. C'est le serpent qui prend, regardez là, il y a un renflement du serpent, du ventre. C'est pas par hasard qu'ils font ça. Ce dessin-là, il est actuel, hein. Et pourtant, c'est le même qui est reproduit ici. C'est la couverture, là. C'est le même dessin. Celui-ci, il date de 250 ans avant Jésus-Christ. Et le plus beau, c'est que ce dessin a été retrouvé en Espagne. Donc le nouvel an berbère. Oui. C'est une réalité. C'est une réalité. Mais c'est un... il faut voir le... agraire. Oui, oui. Oui, après, oui. Ah oui, oui. Et après, on n'est pas obligé de rassembler à tout le monde. Si on le sait, nous on l'a déjà fêté ces derniers temps ici à Paris. On le fait au mois d'août, 29 août. On l'avait fait, ça fait maintenant 4 ans qu'on le fait, toujours. Et on ne sommes pas les seuls à le faire. Hein. L'Égypte aussi, elle le fait. L'Égypte qui le fait. D'accord. On a les Guanches qui le font, et on a les Mexicains qui font ça, le même jour que nous. Ils le font le même jour que nous. Le même jour, oui. Et les Mexicains, les descendants des Hispaniques ou des Mayas ou les... Des Mayas. Ah, oui. Des Indiens, je parle des Mexicains, oui, pas des Espagnols. Hein. Mmh, voilà. Ils le font... Donc il y a beaucoup à porter quand même à ce niveau. Parce que même au Brésil, moi j'ai vu une fois au Brésil, il y avait la pluie qui, dans un petit village, il y avait la pluie qui tombait, et il y avait le soleil en même temps. Et il y avait un Brésilien qui me dit, ah, ça c'est le chacal qui se marie là. Ouais, ouais. Attends,
Ça va à la bouche, attends. C'est quoi ça que ça fout là-bas? C'est extraordinaire, en tout cas. Donc, on revient. Donc, si on balance les dogmes, on balance même les axiomes, même la science, quand il s'agit par exemple de la création de la Terre, comme elle ne peut pas répondre, elle a accepté un dogme, pratiquement. Elle a accepté que la Terre soit créée du néant. Alors que la science refuse le mot néant. Le néant est un concept métaphysique. La science ne l'accepte pas. Donc, scientifiquement, on sait que la Terre, enfin l'univers, a été créé il y a 10 milliards d'années. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? On ne sait pas encore. Mais on risque de le savoir dans pas longtemps. Peut-être qu'il n'y a rien. Peut-être que c'est tout. On ne sait pas. Mais en tout cas, c'est facile à... Enfin, facile. On peut le prouver, quoi, par la vitesse de la lumière et tout ça, on le trouve. Avec les, comment on appelle ça, les quasars. Les lumières du début de l'humanité, quoi, qu'on est en train de voir aujourd'hui. Et qui... Les quasars, les pulsars, les trous noirs. Non, les quasars, c'est les derniers. Mais ça, on pourra faire une autre, on parlera de l'expansion de l'univers, mais toujours chez les Berbères, hein. On pourra le faire. Ça. Je te jure, il y a une bonne philosophie chez eux, mais on devrait la retrouver. Plutôt chez nous. Hein? Chine. Je dis chez eux. Eh oui, malheureusement, alors, c'est pas chez nous. Quand tu confirmes la réalité des mécanismes qu'il y a, il y a les Arabes. Tu confirmes. Mais le problème, c'est que on est en train de faire la résistance, mais nous sommes arabes. Nous sommes arabes et musulmans, qu'on le veuille ou non, arrêtez. Voilà, tu le veuilles ou pas. Et que tu le veuilles ou pas. Un arabe était un musulman d'office. Et tu es un maghrébin. Malgré toi, d'ailleurs. Il m'a dit que tu es musulman d'office. D'office, ouais. Ben oui. Ça, moi, je l'ai vécu. Rien à faire avec le fait que je sois né. Ça n'a rien à voir. Oui. Vous êtes tous nés musulmans. Je te dis, on fait de la résistance. Moi, j'ai répondu que j'étais née femme, que j'avais un père et une mère, que j'étais pas orpheline, que j'étais pas la fille de Dieu. Et après, je suis partie parce que sinon, j'allais me faire casser la figure. Parce que quand une femme le dit, ça passe pas. Bon, alors, pour comprendre maintenant le temps, comment la division du temps chez nous et tout ça, donc, il faut oublier un peu ce qu'on sait. La seconde, la minute, l'heure n'a aucun sens chez nous. Mais vraiment aucun sens. Aucune utilité même, ni besoin, ni rien. Chez nous, le temps, comment il se divise? Il y a les périodes très longues, la période longue, et après en moyenne, courte et brève. Je l'ai dit à l'envers, exprès. Parce que c'est quoi une période très longue chez un berbère? Mais très longue. Là, non. La très longue, c'est 2 ans. Hein? 2 ans. 2 ans. Pas plus. D'accord. On a Asubgasa, on a Imel, on a Iwe. Donc on a l'année prochaine et l'année d'après. Point. On a au-delà, on n'a rien. On parle pas. Non. C'est inutile. Pas. Pourquoi se projeter dans... Exactement. Déjà, si j'arrive à me projeter dans 2 ans, c'est beaucoup. Chaque jour suffit sa taille. Bien sûr. Nous, on fait... Frédéric. Pas que... Il est Eh. Donc, que 2 ans. Que 2 ans. Tu ne peux pas aller au-delà. Voilà, si tu veux. C'est la priorité qui arrive. Voilà. C'était pour ça que tu m'avais dit. C'est une dernière. On le dit par ça. On est à C'est à revoir, Amcha. Hein? Qu'est-ce qui est à revoir? Donc il y a l'année, on la divise comme ça. Donc on a Asgossa, on a Imel, Iwel.
vers l'avant. Et vers l'arrière, on a, nous on dit « innat », donc l'année passée, « innat », et on dit « eleven ». Et les pluriels, il y aura. Voilà. C'est quoi? C'est « eleven », pas « eleven ». Donc, et après, donc on revient vers la, ce qui est la valeur temporelle, donc longue, ce qui est long, ça c'est la plus longue. Celle qui est longue, donc c'est celle de l'année, on la divise après, la division de l'année, en 16 ans. En 16 ans, d'ailleurs on dit, moi je me rappelle, grand-mère elle disait, on ne compte pas. On ne compte pas l'année ou les mois, deux hivers. Ah oui, même l'âge, on le dit. Deux hivers avant, deux hivers après. Ou... Ouais. Ça, c'est... Mais ça, c'est pour l'âge. Si la personne est née en hiver, on compte en hiver. Mais s'il est né en été, on compte en été pour lui. Oui, c'est ce que je te dis. Sa deuxième été, troisième été, c'est toujours le même. Oui, Donc après, on a donc la division de l'année qui se divise en saisons. Il y en a cinq. Donc on a Semenzout, 3 fois 28 jours. On a Fejrist. Ça fait 3 fois 28 aussi. On a Sifsuin. Ah non, je ne sais que c'est... Non. Ça, c'est autre chose. En plus, tu les consommes. Je parle déjà juste de... Comment ça s'appelle? Des saisons. C'est 3 fois 28 jours, des groupes de 28 jours. Donc, nous, les saisons, on les appelle Tism Hayin. Les groupes de 28, les mois, si tu veux, c'est Thikrazin. C'est 3. Ça va par 3. Et après, quand on va arriver, donc on a Sifsui. Je crois que nous sommes les seuls à ne pas utiliser Sifsui. Ouais. Pourquoi? Non. Sifsui, chez nous, c'est la fleur. Ça veut dire fleur. Le pluriel de Sifsui, c'est pas Sifsui, c'est Sifsa. C'est les fleurs, ouais. C'est pour rester dans les fleurs. Mais si on utilise le pluriel de Sifsuin, Sifsuin chez nous c'est la floraison, c'est le printemps. Et vous-même, réfléchissez bien quand il y a Yifsu, tout ça, le verbe lui-même. Bien sûr, vous l'utilisez dans le sens de l'éclosion et tout ça. Bien sûr, la floraison. Ouais. Donc nous on a gardé ça, c'est pas. Et après on a un zonlel, le thé blanc. Ça, c'est réservé pour les prémices, les premières. Même les bergers, ils ont les aînés, leurs moutons et tout ça à sacrifier. Ils ont rappelé. La menzo, si tu veux, de la moisson, de la récolte. Tout ce qui est premier. Ça, c'est réservé à la divinité. À l'époque, c'était la divinité. Nous, les bêtes à sacrifier, on dit Fundu. Fundu. C'est la bête à sacrifier. Mais pas à sacrifier à un dieu monothéiste. Ça n'existait pas, les dieux monothéistes. Non, mais même aujourd'hui, ouais. Quand on dit la fondée, c'est pour faire les ziyara, les saints qu'on va voir. Mais pas pour l'aïd et tout ça. L'aïd, c'est une invention de l'islam. Donc ça, avant l'islam, il faut chercher un peu dans l'histoire. Tu vas trouver que l'être humain, depuis Adam et Ève, depuis les enfants d'Adam, ils égorgeaient. D'ailleurs, la dispute entre les deux, la discorde, elle vient de là. Voilà, elle vient de là. Voilà, parce que qui va... Dieu a accepté la bête, il n'a pas accepté le blé. Voilà. Il a accepté le sang qui doit être versé. Enfin, c'est un peu ça, c'est religieux encore. Hein. On ne va pas rentrer dans ce poste. Oui, oui. Mais si vous voulez. Et après, on a le fameux ce qu'on appelle Imeles. Imeles, c'est la huitaine. Mais il y a beaucoup qui traduisent ça par semaine. Moi, je suis contre ça. Il faut rester dans la huitaine. Huitaine, hein? C'est huitaine, oui. Et même si on va dans le calendrier romain et tout ça, c'est la huitaine. Ils n'ont ça pas veut dire de lundi à lundi. De lundi à lundi. Donc, comment on dit, c'est ça la semaine. C'est un vrai tour.
Mais tout à fait contraire de tout ce que disent les religions, à savoir que Dieu a créé le monde dans 6 jours, il s'est reposé le 7e. Ah ouais. Finalement, c'est nous, on s'en dans notre philosophie à nous, Dieu n'a pas créé le monde. Oui. Le monde est créé. Il existe. Ah non, je te parle du. Parce que sinon, on va retomber dans le truc de la philosophie. Qui a créé Dieu, qui l'a créé lui-même. Donc on dit, c'est Tanit, là, tout est en elle. Tout existe déjà. Et scientifiquement, alors on sait que l'univers est en expansion, donc c'est un peu comme si tu prends la lanterne comme ça, tu fais ça. Ça s'ouvre. Une fois arrivé là, après il n'y a plus d'expansion, tu reviens. Tu compresses. Donc, bientôt va être compressé. Bien sûr, ouais, mais il paraît dans 50 milliards d'années, tout ça. C'est fou, c'est ça. Malheureusement, on ne verra pas. On sera pas là, nous sommes. Dommage, oui. Donc, c'est pas. Donc, on arrive à la huitaine. Donc, ça, c'est des périodes longues, quand même. Toutes les semaines, Et après, on a la valeur moyenne, c'est celle du jour. Enfin, de la semaine, comment les diviser. Enfin, le jour, le lendemain. Là, on a par exemple 3 jours après et 3 jours avant. Et on a 7 jours. On a 7 jours. En fait, si je comprends bien, les 8 jours, le tour des 8 jours, c'est comme le tour de l'année. Oui. On bouffe toujours une journée. On bouffe toujours une journée. On la bouffe ou on la rajoute. On a toujours une journée qui est. En suspens. En suspens. Mais c'est la journée qui te permet de te souffler déjà et qui permet aux autres de continuer le compte. Si toi tu es fatigué, elle à côté de toi, elle va compter. On a ça. Mais ce qui m'a un peu étonné, c'est que cette division, je l'ai trouvée uniquement dans le jour, pas la nuit. Le jour, par exemple, on dit Azka, c'est quoi? C'est demain. Mais le jour. Et après-demain, c'est toujours le jour. Et après-demain, donc nous on dit Al-Cha, Al-Sedam, Al-Nedam. Al-Sedam, Al-Nedam. Donc, ou bien si c'est hier, mais hier le jour. Le jour, pas la nuit. Pas la nuit, oui. On dit. En fait, la nuit, elle ne compte pas. Ah non, mais attends, la nuit, elle existe. Mais la nuit, elle est uniquement dans le passé. On a Ezerli, Ezerzan, Al-Nedam. On a 3 jours à l'arrière. Mais on n'a pas vers l'avant. C'est-à-dire, demain, la nuit, on ne l'a pas. Voilà. Donc, on est moins sûr d'être demain, quoi. Oui. Ce ouais. Qui est logique. Ça, c'est la valeur moyenne. Mais la plus intéressante, c'est celle qui est plus ou moins courte. C'est la division du. Vous savez qu'il y a la différence entre le jour et la journée. Le jour, c'est la nuit, et la journée, c'est tout ce qui englobe jusqu'à la nuit. Et comment on dit alors? Comment on appelle la journée? As. On ne peut pas dire As parce que non, c'est le jour. C'est le jour. As, c'est le jour. Hier. As, c'est l'ouest, peut-être. L'ouest pour la journée. Mm-hmm. On dit Ouzir. Ouzir. Ouzir, et quand tu dis pendant la journée, tu dis Souzir. C'est la même racine que Asie, la Z dans les autres régions. Asie, avec le R, ouais. Ouais. Le R. Oui, le L et le R, je sais que. Ils sont très proches, ouais. Je trouvais ça très intéressant parce que. Azir, pardon, Azir. Ouzir. Ou Azir, ce n'est pas un problème. Le A et le O, ça, c'est pas un problème, ça. D'ailleurs, nous, chez Anshawi, le A, il n'existe pas. Ça veut dire la journée. Le premier A du mot, Al-Qalfous, Zar, on ne dit pas Zar. On n'a pas. On économise. Azir, le milieu de la journée. Azir, c'est le zénith. C'est le zénith. C'est le zénith. C'est le zénith, oui. Voilà, maintenant on arrive à. D'ailleurs, il est moi qui nous zèle. Oui. Vous me donnez 15 arcs. Sinon, le mot, on n'a pas d'accord. Je parle tellement de qui nous zèle. Et apparemment, c'est Clausel. Hein? Ça, c'est hier, pas l'histoire berbère. L'histoire française. Ouais. On nous disait Clausel, c'est Clausel. Et Clausel, c'est Clausel. Apparemment, c'est un français qui était méchant. Ils ont enlevé des enfants. Et... Il fallait pas sortir à jour. Il
Donc la journée, comment, le jour, comment on le divise? La journée. On a donc le matin, l'après-midi et la nuit, le soir. Mais on a une division un peu spéciale. J'ai essayé de la comprendre, comment est-elle faite. J'arrive pas à comprendre. Elle est divisée, c'est-à-dire le matin, c'est 5 périodes. L'après-midi, c'est 5 périodes et le soir, c'est 5 périodes. On a 15 périodes dans la journée. 15, oui. 5, 5, 5. Même si les jours sont plus longs que les nuits, puisqu'on n'a pas nous l'heure et la minute, ça, on s'en fout. On la divise quand même en 5. Ce sera l'instant, il sera au lieu d'être 60 minutes, et ben, j'ai calculé, je tombe sur 96 minutes. Il va jusqu'à 96 minutes. Donc, mais je ne sais pas comment ils l'ont fait les 5. En tout cas, je les ai, tous. Dès le matin, avant même la lumière du jour, ça s'appelle Fefrer. Peut-être Fefrer, de nouveau. Fefrer, on dit ça, ouais. Après Figgi. Après, on a Enzei, ça c'est le milieu de la matinée. Enzei. Fizernin, c'est la fin de la matinée. Après, tu as une petite période qui est entre les deux. C'est celle Abernzei, ça s'appelle. Ben, plus c'est plus vers le matin que vers l'après-midi. Mais il a un pas déjà dans. C'est la période où on mange, Amchil. Abernzei, Aber, tu sais que c'est deux. Aber, ça veut dire toujours deux. C'est-à-dire, quand. Tu as un mot, comme Abrichen par exemple. Ouais. C'est à tort de dire Abrichen, ça veut dire noir. C'est Chen normalement qui est noir. Abrichen, c'est plutôt noirâtre. C'est pas vraiment noir. Aber, d'ailleurs, pas mal de berbères disent Chen, ils disent pas Abrichen. Il n'y a que vers le nord qu'on dit Abrichen. Nous on dit Abrichen, vous dites Abrichen, mais en fait c'est faux. Abrichen, c'est noirâtre. C'est, il est cassé quand même que le noir. N'est pas vraiment noir. Ils ne doivent pas aimer le noir, les berbères, donc ils disent noir. Donc on a les cinq là. On a toujours la moitié s'appelle Enzei. Et le matin, quand on vient, on dit à quelqu'un bonjour, on lui dit comment? Non, Sifawin. Ah, oui. Le matin, c'est Sifawin, oui. Sifawin, ça veut dire. Si tu veux. En tout cas, c'est, on dit toujours Sifawin. Après, on a Thamdith. Elle, tu vois, elle a fini par Abernzei, là, on va faire Abermedei. Donc, si tu veux, ils ont un petit trait qui est commun quand même. On passe vers l'après-midi. Abermedei, Amdei, Sifsilaz. Ça, c'est l'équivalent du goûter 4 heures. Voilà. Après, c'est Warrith. Je pense que ça vient du mois. Voilà, c'est crépuscule, un truc comme ça. Coucher du soleil. En bas, tu as Sikhzin. Ça, c'est la nuit qui tombe. Et là, on mange Amzi. Là, si c'est l'après-midi qu'on doit saluer, on Qarthim Diwin. Et le soir, on Qarthim Siwin. J'ai entendu ça, les Marocains disent aussi. Nous, dans les montagnes, on dit, mais en bas, dans les plaines, non. Après, on a le soir. Là aussi, on a cinq parties. On a Fismsin, Fimensin, Thinidus, Thininthinidus, Aqnod. Après, c'est fini. Après ça, on a une période de prière. Les Berbères disent qu'ils prient que le matin très tôt. Ils se préparaient peut-être pour la journée. Et oui. Non, c'est la prière, ils te disent on prie la journée. C'est psychologique. C'est, bon, c'est plutôt, oui, c'est plutôt logique. Oui, ouais. C'est ça. Ouais. Nous avons un Fizilarin. Le chinois Fizilarin, ça veut dire langue. Ça doit être une langue prière, je ne sais pas quoi. Ou sérieuse, peut-être, dans le sens sérieux. Oui, c'est possible. En tout cas, c'est les seules prières qu'il y a. Dans toute la journée, ça ne prie pas. Ça prie tous les jours. Et le fait que ça prie, qui est-ce qui se lève le matin
à 4h ou à 3h du matin pour prier dans le banc au service. Pas tout le monde, hein. C'est pas tout le monde, il n'y en a pratiquement pas. Il n'y en a pas du tout sur Terre. Ouais. Voilà. Donc, et le repas du matin, ça s'appelle Siskerin. Siskerin. Ouais. Le petit déjeuner, quoi. Enfin, c'est un petit déjeuner, mais très tôt quand même, là-bas. C'est au lever du jour, du monde. C'est ce qui réveille. Ah oui, c'est, les mots, ils ont une relation directe. Par contre, j'aimerais bien trouver l'explication de cette division. C'est une hygiène de vie, hein. Ben oui, c'était vraiment des périodes de 5, 5, 5. Mais c'est une hygiène de vie. Ouais. C'est l'expérience. C'est la vie. Les gens, ils arrivent à diviser leur journée selon le travail. Et si vous allez étudier, par exemple, l'irrigation, vous allez trouver ça des périodes. C'est exact. Les montres, il n'y a pas de montres. Regardez les 8 heures, les 9 heures, les 10 heures. Ah, ils ont des montres là-bas. Ça, je l'ai vu. J'ai vu, on a à Guilmem, enfin, une bâche d'eau. Ce qui permet à arroser les jardins et tout ça. Il y a un type qui arrive avec un grand bâton, qu'il le met dans l'eau. C'est l'or, non, c'est le niveau de l'eau. Ah. Il le met dans l'eau, il te dit l'heure. Et je te jure à la minute près. On le faisait à l'ambre. Je l'ai fait chez mes oncles. Ça, c'est égyptien, ça. Je l'ai fait chez mes grands-parents, c'est à l'ambre. C'est un arbre. Il y a un arbre. C'est là. Il y a un arbre. Par rapport au soleil. Par rapport au soleil. Au soleil. Mais pas le soleil. Siziri. L'ombre. Et l'ombre. Siziri de guerre vers 4h du matin. Et la nuit, c'est la lune. Voilà, c'est la lune. La lune, elle ne traçait comme la journée, comme le soleil traçait la nuit. Moi, j'étais petit, je suis en train de me l'aiguille. C'est ça. Mais il y a le. Ah, bah, ça n'est. Il y a comme une bassine. Enfin, c'est fait avec la pierre, il y a un arbre. Et chaque fois que l'ombre de l'arbre bouge, je ne sais pas comment il le faisait, on touchait, on manipulait les. Non, mais eux, ils savent de toute façon. Ouais. Moi, j'y vais avec l'eau, le niveau de l'eau, il sait l'heure qu'il est, il sait à qui il faut de laisser, qui va prendre l'eau et tout. C'est comme les marées. Il y a de grands spécialistes venus de Belgique une fois pour étudier un peu le système d'irrigation. Impossible. Impossible à trouver une logique. Des fois, tu as par exemple celui qui est très bas, parce que nous, c'est les jardins en terrasse. Mmh. Des fois, on irrigue celui qui est en bas avant celui qui est juste à côté de la source. C'est à tout un système. Et pourtant, à la fin de la journée, tout le monde a eu sa part. Donc, chez nous, il y a un dicton qui dit « Koul hadzita l'itajarou maris ». Ben voilà. Mmh. Chacun regarde le soleil par rapport au sud. Mmh. Oh, oui, c'est... Ben oui, on regarde le temps, moi, ça fait quoi? Ça fait 6 ans, 7 ans chez ma grand-tante. Le soleil qui rentre, elle me dit, il est 15h, ou il est 16h, ou il est 17h, le waqt zalli, le waqt waya. Du matin jusqu'au soir, elle regarde le soleil qui m'a levé. D'ailleurs, on dit pour les retardataires, il n'y a rien de j'ai d'avocat. Voilà. Et si vous allez remarquer, vous allez faire cette expérience, en Kabylie, toutes les maisons, si je dis, on va dire majoritairement, elles sont plein sud. C'est obligatoirement parce qu'il y a ce merde, il fait froid et qu'il faut être plein sud pour recevoir le soleil dès le lever du. Et l'après-midi aussi, des deux côtés. Ah, bien sûr. L'après-midi, ça fait l'équilibre. Et maintenant, on arrive à ce qui est très bref. On va commencer du plus bref. D'ailleurs, chez les Berbères, ça c'est courant. Des fois, il y a une région qui retient un mot et l'autre retient un autre mot. Oui. En fait, il y a une nuance entre les deux et chacun dit que c'est lui qui a raison. Nous, on a le comment dire maintenant. Non. Soura est obligé jusqu'à tout à l'heure. On va revenir à Soura. Je vais te dire pourquoi après. Non, après je vais te le dire, parce qu'on va arriver à tout là. Parce que là, ça va nous poser un autre problème. Nous, on dit l'oka. Oui, il y a des gens qui disent que ça vient de l'oukt. Mais tu vois que ça n'a rien à voir. On dit l'oka. C'est maintenant. Et ceux du nord de la vallée, ils disent imira. Ça vient de imira. Imira.
Donc on a Loka et on a Emira. Donc chacun se fout de l'autre, comme on dit, Karn. Loka Lokdin, Tchid Averboust Mertiddin. Emira et Merdin, Tchid Averboust Kaddidin. Un roman, il écrit des romans. Le premier roman, c'était Landor. Alors, qu'est-ce qu'il fait quand on a découvert, je ne sais plus quel siècle on avait découvert, je crois c'était 8e ou 9e siècle, justement, on a découvert les manuscrits, et ils l'ont classé comme écrivain latin, au début. Écrivain latin, alors ils ont commencé. Appuyé, partout. Ils en ont fait un grand. Et Lucius Apollinius, je ne sais pas quoi. Écrivain latin, c'était bien, c'est bien pour l'Europe. Et ils en ont fait un monument. Après, ils ont dit, non, c'était pas un latin, c'était un berbère. Et là... Ils l'ont descendu de son piédestal. Alors, le premier à avoir fait, c'était l'Église. Il y a eu un qui était... je ne me rappelle plus de son nom, il était ministre de l'Intérieur, je ne sais pas quoi, français, dans le 18e siècle, je crois. Il avait dit, il a écrit, c'est un poète soi-disant, parce qu'à l'époque, même les ministres étaient des poètes, comme Lamartine et tout. Il avait écrit un poème, il s'appelle Psyché. Et nous, on sait tous, Psyché, c'est Apulée qui l'a écrit. Elle est dans l'Andor, Psyché, toute l'histoire de Psyché. Il a dit, cet Africain-là n'aurait jamais pu écrire un truc comme ça. Avec mépris, cet Africain-là n'aurait pas pu l'écrire, parce qu'il ne pouvait pas, il n'avait pas assez d'intelligence pour le faire. Certainement, il l'a copié de chez les Grecs ou chez les Latins, tout ça. Le préjugé de tout impérialisme. Mais il reconnaît que Psyché n'a jamais été raconté par quelqu'un avant lui. Ça, il le reconnaît. Tu reconnais que c'est lui qui est le premier à l'avoir fait, et tu dis que ce n'est pas lui qui l'a écrit. Non, c'est un Africain, il ne peut pas l'écrire. Alors, à partir du XVIIIe siècle, on a descendu à Apulée, on l'a oublié quand même. Mais pourtant, même saint Augustin est reconnu en lui le génie. Les Grecs lui ont élevé une statue, elle est à Constantinople, une statue en l'honneur d'Apulée. Ils disent c'est le dernier des sages. Là, on va faire une petite conférence bientôt sur lui en tant que médecin. Il était médecin, il était philosophe, il était mathématicien, physicien, il faisait tout. Polyvalent. Il est polyvalent, mais c'est un génie. Dommage qu'il soit africain. Eh bien oui, s'il n'était pas berbère, il serait... C'est un peu, je ne sais pas, dans le football, bon, ça sort un peu, dans le football, quand Platini avait fait son jubilé, il a invité, comment il s'appelle, le joueur algérien. Zidane ? Non. Bon, Madjer. Madjer. Il a invité Madjer, il y avait Pelé, Madjer, il y avait l'Argentin, là, comment il s'appelle, Maradona. Il a invité que les grands vraiment du football. On lui dit, pourquoi tu as invité celui-là? Il leur a dit, c'est un très très grand joueur. Il leur a dit, il n'avait qu'un seul défaut. Sans ce défaut-là, il aurait pu être le meilleur joueur du monde. Son défaut, c'était quoi? D'être algérien. C'est un défaut. S'il ne l'était pas, ben, Zidane, pourquoi il est monté? Parce qu'il est français. Ben oui. D'ailleurs, les Algériens, ils ont bien fait de ne pas... Quand ils lui ont donné rendez-vous, ils ne sont même pas venus à l'aéroport le voir. Et il est rentré en France et il a signé avec la France. Il voulait jouer avec l'équipe algérienne. Ils ne sont même pas venus le voir à l'aéroport. Ils ne sont même pas reçus. Heureusement d'ailleurs, c'est une bonne chose. Il y a quelqu'un qui a dit qu'il était trop mou. À Carmel. Trop mou, trop mou. Ça, peut-être. Mais... c'est ce qu'il a dit. Ça dépend. À l'entraîneur. Ah ouais. Quand on dit de dire. Alors, quand on voit, même les plus grands reconnaissent en lui un génie du football. Non, mais heureusement d'ailleurs que l'Algérie l'avait refusé. C'est une bonne chose. Parce que s'il avait joué une fois avec l'Algérie, c'est fini. Hein. Il ne peut plus jouer avec la France. Oui.
Donc, comme après, il a signé avec l'équipe française, là, de l'équipe nationale de France, il est devenu ce qu'il est devenu. Et tous les Français ont appris un petit peu ce que c'était qu'il avait en cabine, grâce à lui. Quand il, oui, bien sûr. Le monde entier. Oui, enfin, je ne voulais pas non plus aller à l'échelon international. Moi, j'ai vu en Arabie Zidane, quand il jouait ici dans la Coupe du Monde 98, en Arabie TV, en saoudienne, quand la France a joué contre l'Arabie, c'est pas Zidane, il a été carton rouge ce jour-là. Ils ont dit qu'il a essuyé ses crampons sur un Saoudien, parce qu'il est tombé, il a marché dessus. Là, ce jour-là, ils ont toute la presse saoudienne, c'est un berbère, c'est pas un arabe, c'est Zidane le berbère. Mais quand Zidane a gagné la Coupe du Monde contre le Brésil, Zidane l'Arabi. Ah oui, là. Là, il devient arabe. En une semaine de temps ou deux. Mais est-ce que lui, un jour, a pris position de dire non, je ne suis pas arabe? Non, je m'en fous de ça. Il ne dit pas, il a dit que je suis kabyle, mais déjà, il le dit haut et fort qu'il est kabyle. Déjà, voilà. Il le dit. Pourquoi il va dire que je ne suis pas? Il n'y a pas mais besoin de préciser. Mais on s'en fout de ce qu'il a dit ou pas, on s'en fout de lui. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de l'autre côté. Moi, je ne dis pas. Quand tu es pour leur intérêt, tu es arabe, quand tu n'es pas. Voilà. Même ici. Voilà. Donc, c'est vrai. Ici. Voilà, il y a le bon, il y a le mauvais. C'est tout. En France, on se fait engueuler quand on dit qu'on est kabyle presque. Par les arabophones. Il y a un truc. Je reviens à Inin, les pierres du foyer. Là. Nous, c'est au mois de janvier qu'on les change. Chaque année, il faut les changer. Hein. Oh, ouais, trois nouveaux chaque année. Il y a eu des spécialistes, des grands génies, des grands savoirs d'Occident, qui sont en majorité de chez nous, algériens et tout ça. Ils disent que ça vient du Père Noël. Parce que nous, on dit, la période, là, on l'appelle Bouyini. Ini, c'est un. Inin, c'est de plusieurs. Bouyini ou bien Bouyini. Ils disent que ça vient de Papa Noël, Baba Nou, ce qui est devenu Bouyini. Encore un bricolage. C'est incroyable. Hein? Comment? J'arrive pas à comprendre ça. Comme par exemple Batna. C'est B-A-T-N-A. Les Arabes, ils disent ça vient de Batn, ou bien Batna. Batna, oui. On a passé la nuit ici. Batna. Batna. Ou bien Batn, le ventre. Nahasen, le ventre, il est comme ça, il n'est pas comme ça. Déjà, elle, c'est une cuvette. Donc. Non, les Français, ceux qui sont pro-français, disent non, BATNA, c'est bataillon armé de tirailleurs nord-africains. Les bataillons armés nord-africains, ils étaient là-bas quand? C'était quand les Aurès et la Kabylie ont fait la guerre, c'est là qu'ils sont venus. Mais BATNA, dans les livres d'histoire, elle existe. D'ailleurs, il y a un truc, un archéologue. Pas anthropologue, je ne sais pas, anglais, Shaw, là où il s'appelle. Thomas Shaw, c'est un écrivain voyageur. Oui, écrivain voyageur. Il a voyagé au XVIIIe siècle. En 1700, il a dit 1703, le Batna est déjà cité. Il y avait un tas de ruines. Oui. Il y avait aperçu un tas de ruines. Alors, comment on peut expliquer ça, puisqu'elle est déjà les plus vieilles que celle de leur bataillon. elle les a dépassées de 2-3 siècles. Mais personne ne se donnait la peine d'aller voir les gens qui habitent là-bas. Comment vous appelez votre ville? Nous, on l'appelle Bethent. Bethent, c'est là où s'entrecoupent les routes. C'est un carrefour. Et Batna a toujours été un carrefour de. D'ailleurs, même aujourd'hui, c'est le carrefour de la drogue en Algérie. Avant, c'était le carrefour. Attends, il y a 7 routes nationales qui passent par la ville. Allez, 7 qui passent. Tu vas aller n'importe où, le sud, le nord, c'est partout, tu passes par Batna, il n'y a pas de problème. Il suffit juste de demander aux locaux, comme Imdrasen. Tu connais Imdrasen? Le fameux monument. Là. Tu sais que c'est l'un des plus vieux de l'humanité. Hein. Ils disent c'est un tombeau, c'est un mausolée d'un certain roi berbère qui s'appelle Modrous. J'étais là-bas, je te l'ai dit. Ouais. Ils sont en train de le casser. Il disait Medrous. Ils l'ont barricadé et tout. Medrous, attends, ils font de la grimpe dedans avec les crochets. Là, tout ça. Il n'y avait personne. Voilà, donc ils disent que c'est un roi berbère qui est enterré là-bas. Il s'appelle Medrous.
Mais complètement idiot. Imdrasen. C'est que ça veut dire Imdrasen. Imdrasen, ça veut dire les marais, les marécages, je ne sais pas quoi. Et, ou bien c'est les marais profonds. Okay. Imdrasen, ça veut dire les profonds. Et là-bas, là, je ne sais pas si ceux qui connaissent Imdrasen, toute la région, c'est des marais. C'est là-bas qu'on chasse la poule d'eau. Il n'y a que des marécages, là, il y a des sables mouvants. Il y a de tout. C'est vraiment un truc sauvage, tu te crois, en Californie ou je ne sais pas quoi. Dieu dépasse les... Là, ils ont juste... Il y a après, tu connais ça? Il y a les lacs salés, là. Pas loin. Que du sel. Tu vois une mer de sel. Je te jure, tu le vois, tu crois que tu es devant la mer. Les marais salés. Oui, ça n'a pas de limite. C'est infini. Tout est blanc. C'est... Alors, si avec tout ça, et tu me dis, moi, il y a un truc qui s'appelle Modrousse, enterré là... C'est trop tiré par les cheveux, quand même. Non, il n'y a rien de... Donc il y a beaucoup de choses à revoir, à corriger. En plus, on tombe beaucoup dans la facilité. Parce que si tu cherches à expliquer la terminologie, le toponyme et tout ça, c'est facile d'expliquer par une autre langue. Mais pourquoi tu ne l'expliques pas dans sa langue? Parce qu'il peut y avoir, des mots qui peuvent ressembler à une autre langue. C'est une fois j'étais des Hux, on était assis, il y avait un type qui est venu, il était très fatigué. Il a dit, j'ai fait un long chemin, je veux boire quelque chose. À l'époque, nous, on a quand même un petit café, on appelle ça café, mais tu t'assois sur des pierres, tu ramènes les pierres, tu t'assois dessus. On te donne, tu vas te servir à toi-même, les boissons sont dans un grand tonneau avec de la glace. Voilà. Et il a dit, je suis vraiment fatigué, j'ai fait un long chemin. Là, tu viens d'où? Il m'a dit, je viens de Scottish Lodge. J'ai dit, c'est pour de moi. C'est quoi Scottish Lodge? Scottish Lodge, pour moi, c'est un lac écossais. Ouais, ça veut dire lac écossais. Exactement. Où ça se trouve? J'ai demandé au moins, c'est vrai, il y a un village là-bas, presque une île, dans un lac, il s'appelle comme ça. Il n'y a pas le monstre du Loch Ness? Ben, c'est le Loch Ness, oui. Le Lodge, comme ils disent. Nessie. Ben, comment tu peux expliquer ça? Si je me mets à expliquer le mot avec une autre langue, là, on va avoir des problèmes. Là, ce sera vraiment le lac écossais. Donc, à un moment donné, il y a les Écossais qui étaient venus. C'est comme la fameuse légende d'Egerman, là, je sais pas quoi, qui me dit en Kabylie, c'est des Allemands, un bateau d'Allemands était venu là-bas. Ah, c'est Germain, oui. Je n'y crois pas à cette histoire, alors là. Je ne dis pas que tu ne crois pas, mais ça existe. C'est vrai. Germain, parce que j'ai vu un concert, ça fait longtemps. Depuis 2003, c'est lui qui l'a chanté, la chanson Baden Baden. Oui. Pareil, Gazogun, il a le village, Karna, c'est de Germaine. Mais je sais, mais dans ce cas, tous ceux qui sont à Zormon et tout ça, c'est tous donc des Allemands. Donc même ceux qui sont dans les Aurès. Et ça, Zormon, il vient d'où? Et il s'appelle Germoni, hein. C'est pas pour rien, c'est un Allemand. Il n'y a pas. Non, il faut qu'on parte du principe que tous les Berbères, c'est pas une ethnie, c'est pas un peuple. C'est un ensemble de peuples qui vit dans un même espace, sous une même histoire, sous une même culture. Point. Il faut que s'arrêter là. Celui qui, d'ailleurs, ils ont toujours été accueillants. Celui qui vient, il vient. C'est un strat pénard. Hein. Là, quand j'entends, par exemple, une fois, on m'a parlé des apports. Là, j'ai parlé justement du Dalé. La scène de Dalé, je l'ai vu. Je suis étonné qu'il soit cautionné par Cheikh et sa compagnie, là, comme Nalco et tout ça. Ouais. C'est eux qui l'ont cautionné. Je suis désolé, il est à 80%, c'est de l'arabe. Ouais, ah, c'est trop, c'est 80%, c'est pas. Pour le feuilleton, j'ai constaté. À la fin, tu sais, moi, je l'ai déchiré. Il est énorme comme ça. Ouais. Je l'ai déchiré. Pour moi, il ne vaut rien, ce livre. C'est un dictionnaire, mais non, je ne l'accepte pas.
Je connais des Kabyles qui ne parlent pas comme c'est écrit, qui ont cette langue. Alors comment se fait-il qu'on le cautionne, ce Dalai-là? Ce n'est pas normal. L'INALCO. Oui, mais c'est pas normal. C'est national des langues et civilisations orientales. C'est un dictionnaire d'arabe. Ça veut tout dire, mais orientalisme. La Kabylie n'est pas en Orient. Mmh. Ah là, c'est ce qu'il faut leur dire. Mais, bah, leur je crois. Hein. Maintenant, je suis qu'une femme. Hein. Ouais. Pour moi, c'est vraiment pas une référence. Hein. C'est un institut orientalisé. Non, mais le Dalai lui-même. Ouais, bah oui, c'est... Il ne faut pas que ce soit une référence. On leur a demandé de faire un paraway, ils ont fait un paraway, c'est tout. Ah oui. Oui, mais moi je ne parle pas. Qui... Je parle de ceux qui l'ont cautionné. Je ne parle pas de le Dalai. Lui, il est venu, c'est un. Qui l'a cautionné? Ben, l'INALCO. Eh oui, l'INALCO, c'est à l'INALCO qu'on a demandé de faire un travail. Non. Non, le travail a été fait dans les années 40, je crois. 30-40. Ça, c'est le Dalai. Le Dalai lui-même. Oui, mais ceux qui l'ont cautionné, c'est. Ceux qui l'ont refait, ceux qui l'ont réécrit, soi-disant. C'est. Salut Shaker et compagnie, parce qu'il y a son nom dessus. Hein. Oui, De toute façon, je te jure, c'est à jeter à la poubelle. Bah déjà, Shaker est de Kabylie, donc forcément, il est dans son parallèle. Non, j'ai l'impression que Shaker, il a une grande faiblesse, je crois. Déjà, le Kabylie le maîtrise mal. Ouais, pas du tout. Non, moi, je veux pas être... Je dis qu'il est mal. Si mais comment ça s'appelle? Mais l'arabe, il le connaît pas du tout. Parce que, pour faire un travail comme ça, pour purifier notre langue des apports des étrangers, tout ça, je crois qu'il faut qu'on passe par la case, la purification, il faut qu'on connaisse la langue de l'autre. Si je ne connais pas l'arabe, comment veux-tu que je sache que ce mot est arabe ou pas? Alors que j'ai vécu en Kabyle, on me le dit comme ça, alors que le mot non. Comme tout à l'heure, disait le Khalif, elle dit peut-être qu'il est Kabyle. Alors que nous, on sait qu'il n'est pas Kabyle du tout, il est arabe. Donc, c'est un peu comme Katib Yassine qui disait c'est un butin de guerre. Moi, je veux bien. Et on a gagné quelle guerre? Pour qu'il y ait butin de guerre, il faut qu'il y ait un vainqueur. J'ai vaincu qui? On a été vaincu. Du français, là. Hein? Pas de lui, il disait ça. Attends, du français. Comment ça, du français? C'est pas lui qui a écrit la guerre de 2000 ans en arabe? En algérien, là, mais c'est le défendeur de la langue algérienne, là. Premier défenseur de la langue. C'est le premier, c'est Katib Yassine, là, arrêtez. Non, c'est. Il l'a fait. C'est un chien, oui, ça m'étonne pas. Bah voilà. Enfin, lui, il parlait, il savait pas que ça allait tourner comme ça a tourné. Il parlait par rapport au truc avec son époque. Non, mais c'est. Je trouve que c'est. Parler de butin de guerre quand on a gagné une guerre. On n'a rien gagné. Pour l'instant, toutes les guerres faites par les Berbères. Même l'islam, c'est un butin de guerre. On a fait la guerre, nous avons fait la guerre, on a gagné l'islam. Voilà. Mais il ne faut pas oublier que la Macédoine, la Grèce elle-même, sont d'origine berbère. D'origine, elle est berbère. Et maintenant... Ça, je te pose une question. Ouais. On me dit qu'Athéna, c'est la sœur de Délia. Non.
D'où le nom de la capitale. Sinna, non. Sinna, c'est Athéna. Non, Athéna, c'est Tilhina. Tilhina. Non. C'est ce que tu disais. Qu'est-ce qu'elle a à voir? Il n'y a pas de source. Tilhina, elle était reine de la Tritonide à l'époque. Surfique. Machi Athéna. Sinna. Oui. Sinna avec le T. Peu importe. Athéna, oui, ils disent Athéna. Machi, où tu mets son tamza? Non. Tamza est quand même, entre les deux, il y a peut-être 2000 ans. Attends, ouais, arrête. L'époque. L'époque, c'est pas la même. Et donc, il y a une guerre entre Tamza et Smith. C'est pas les mêmes. La Tinhina, elle s'était battue contre Myrène, la femme au lion, ouais. Myrène ou bien Sirène. D'où le nom de la Cyrénaïque, Sirène, c'est les Grecs qui l'ont appelée Sirène, en l'honneur de cette femme. C'est une femme, c'est une sorte d'Amazone qui vivait avec. Elle avait toujours deux. Je crois que c'est dans. C'est à peu près 10 000 ans avant Jésus-Christ. Ah oui. C'est avant 1, 2, 3. Ah oui, c'est dans les 10 000 ans à peu près avant Jésus-Christ. C'était à l'époque. Le Miocène, je crois qu'ils appellent ça le Miocène. C'était à la fin des proto-berbères. Non, avant Moïse, oui. Moïse, c'est 5000 ans. Hein. C'est ça. Ouais. C'est avant Moïse. Il y a Hérode, il y a le roi Messie, le roi Hérode. Non, c'est avant. Avant, c'était là d'où le mythe des Amazones. Les Amazones. On disait que avant il n'y avait que des femmes. D'ailleurs, quand ils ont fait par l'ADN, comme ils ont dit, sur l'homme de Tafouret, quand ils ont fait chercher son ADN, enfin, ils ont découvert que ce n'est pas un homme. Ils auraient dû dire la femme de Tafouret. C'est une femme, en fait. Ils ont découvert. C'est une femme. C'est une femme. Donc, non, Tafouret, ça veut dire parallèle. C'est des villes, c'est deux parallèles. Non, mais c'est un village. Non, mais dans le sens, c'est des. Quand tu as deux lignes parallèles, on appelle ça Fourel. C'est vrai, qui n'a jamais l'air de se faire des choses, de ne dire pas, je t'ai dit, c'est une allusion. C'est Fourel, c'est une idée de misère. Donc, quand ils ont trouvé cette femme, après, ils ont daté l'ADN en Afrique du Nord. J'aime pas le mot le Nord, moi, je préfère Afrique. Ils ont découvert que la femme existait là-bas depuis 30 000 ans, sur le sol africain. Par contre, l'homme, que dès 10 000 ans, c'est tout. Donc il y avait 20 000 ans de différence. La femme existait, mais l'homme n'existait pas. Il y a comme un problème. En Afrique. Non, il n'y avait pas de problème. En fait, non. Les Mazirana. Donc, il y avait. Je vais continuer. Ça, c'est l'histoire de la Tritonide. Avant, on l'appelait Tritonide. Par rapport au lac Tritonis en Libye. C'est un souci, là. Non, il n'y a pas de souci. Si tu étudies bien, il y a même une légende en Kabyle. S'il n'y avait pas d'homme, on parle. Attends, justement, je vais t'expliquer. Il y a une légende en Kabyle. Comment les enfants arrivent? Attends, écoutez un peu. C'est pas un problème, on va les faire arriver, t'inquiète pas. Ce qui s'est passé, regarde ce qui se passait, il y a une légende. Kabyle sur les ogresses. Ouais, comment les ogresses? On parle d'ogresses, mais on ne parle jamais d'ogre. Il n'y a que des femmes. Ogresses. L'ogre, c'est vraiment rare. Mm-hmm. En fait, ce qui se passe, il y a une saison, de printemps par exemple, les ogres viennent vers les ogresses, ils passent une saison entière ensemble, et après ils s'en vont. Et quand ils reviennent l'année d'après, parce qu'il n'y a que des femmes dans la région, et quand ils reviennent l'année d'après, c'est ce qu'on appelle l'Amazonte. Ils prennent les filles, elles restent avec les femmes, et les garçons, ils partent. Ce n'est pas les enfants de la femme. Les garçons, c'est les enfants de l'homme, et les filles, c'est les hommes. C'est tout. Ça existe jusqu'à maintenant, je pense. Ça existe du côté de Tlemcen. Amazon à bête, ça existe. Non, en fait, ça existe que les enfants partent avec les mzabs. Les mzabs. Voilà. Les mzabs avec les filles. D'ailleurs, et le plus beau, c'est qu'ils l'appellent Amazonte, cette séparation. On l'appelle toujours Amazonte. Chez les hommes, elle existe. Ils séparent les garçons. Ils séparent, oui. Dès la naissance, c'est l'homme qui s'occupe. C'est des hommes, oui. Ils ont même des hommes un peu efféminés, ils jouent le rôle d'une femme, qui les aide. Non, ils ont ça, oui. Mais ça.
C'est un nom d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils perpétuent leur... Nous, on cache Amazon, en tout cas, c'est le mot. Pour moi, le mot Amazon, il vient de chez nous, il n'y a pas de problème. Hein. Tu ne trouves jamais la trace ailleurs, il n'y a que chez nous. On a une ville entière qui s'appelle Mazona, d'où chanteur Mazoni. ben oui, en Amazona, on a la légende existe chez nous. Vous, c'était des ogresses. La légende que j'ai trouvée, c'était les ogresses. C'est oui, comment les ogresses... C'est vrai, il y a. C'est vrai que c'est l'élève toute seule. ben oui, voilà. Donc, dans l'histoire. Et après, il y a eu un conflit entre... C'est limite. Et après, il y a eu un conflit entre Tinhinen et Miren, sa sœur, c'est ta sœur. Est-ce que c'est sa sœur réelle ou pas? En tout cas, c'est sa sœur. Siren ou Miren? Siren, Miren. Miren, c'est-à-dire Iren, c'est les lions. La femme au lion, c'est tout. Donc, Mathis, Sina. Non, Sina, c'est Tinhinen. Sina. C'est la même chose, c'est la même chose. Sina, c'est Tinhinen. Athina. Ouais. Après, quand elles ont fait la guerre ensemble, parce que Siren, ou bien Miren, elles refusaient que les hommes restent. Parce qu'elle avait dit qu'il fallait continuer la tradition. Ils viennent le printemps, ils foutent le camp après. Par contre, comment elle s'appelle, Tinhinen, elle voulait faire un pays où il y a les hommes et les femmes, comme dans le monde entier. Et elle a refusé, elles ont fait la guerre, c'est elle qui a gagné, c'est Miren qui a gagné. Donc Tinhinen était obligée de partir. Elle est partie en Grèce, et là, elle a créé la ville d'Athènes, qui portait son nom, Athéna. Ouais. Même Diodore de Sicile s'est fait écho de ce récit. Donc, Diodore de Sicile, s'est fait écho de ce récit. Il a raconté le... Oui, mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup qui ne veulent pas cette histoire, ça ne les arrange pas. Ouais. Ça ne les arrange pas parce que là, si tu arrives. Parce qu'à un moment donné, ils voulaient faire des Grecs des colons. Comme quoi les Grecs ont colonisé l'Afrique. C'est pas vrai. Ils ne l'ont jamais colonisé. Les Grecs étaient en Cyrénaïque et c'était chez eux, en fait. Même les Phéniciens, historiquement, ils sont partis de Carthage. Ils étaient partis en. Comment ça s'appelle Parce qu'il y avait un problème d'héritage. Entre. Comment elle s'appelle Sidoun. La reine qui marche, on l'appelle. Elissa Didoun. C'est la reine qui marche. Comme tu me disais, elle vient des Phéniciennes, je ne sais pas quoi. Elle porte bien un nom chez nous, en tout cas. Elle avait hérité de la terre. C'est là qu'elle voulait construire un temple, le plus grand temple du monde, où il y aura toutes les religions du monde dedans. Toutes. Elle voulait faire ça. C'est quand ils ont commencé à faire les sacrifices humains et tout ça, là, qu'il y a eu les problèmes. Parce que c'est le roi Yarbas qui l'aurait appelé Tenedun. Il était amoureux d'elle. Il était amoureux d'elle. Il était amoureux d'elle, il voulait... Ouais, Yarbas. Effectivement, il allait demander sa main. C'est aussi quelqu'un... Juste, je ne sais pas comment tu fais la... Non, elle est revenue après. Parce que après les Grecs, ils ont créé la ville de tout ça. C'était... Et après, elle est revenue à la Tritonide. Après ça, après même, comment elle s'appelle, Miren, elle est partie en Égypte. Elle était en Égypte. Et c'est pour ça qu'on retrouve toujours ça. Elle est représentée sur les hiéroglyphes en femme avec deux lions. Elle est toujours, oui, on la voit toujours avec deux lions. On dit que c'était la première pharaonne. Elle était devenue pharaonne. Et après, elle est devenue une déesse. Elle était adorée par les Grecs. Est-ce que vous avez dit une déesse? Tamza. Non. Tinhinen. Tinhinen. Est-ce que Zwarn de Yakanilan ou Gadidi Zwarn de Yalulan? C'est l'inverse. L'olivier est parti de chez nous. Vers la Grèce. Il y en a qui disent que c'est les. Comme ils disent le cheval. C'est ce qu'on nous a dit par le cheval. Ah, tiens, en fait, on a découvert maintenant le barbe. En fait, il est barbe réellement. Et le kharif, les Turcs, c'est des bouées. Les Turcs, non?
تي وني بوين سوقنا جو 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 مشاك دينا وين سيسي ميثي مشطوحين ولا الجزء ماضي سيسي ميسي فلي بارا طوض ما طوض ديريكت تاع هذاك اللي كان دازيز هو كان يوم سامان انا ديريكت بلونتيل بين هذا يوغال ديا شوفو سي تاعنا يوغال ديا فهمو دونك طارقين يشبع ربي امساود 6520 نروح لي اسبانيول اللي طارقين هنا ندينا لي زوتومو خاطر لي زوتومو يا كيثور ماشي على الكوني غاري ديك شمن اتونسيون قال لي كنت بان موحوش سابقه قال لي تبانك محمد وش موحوش هذه سابقه يمكن يروي ولا خدينا شو مقلك البارو بلا ما جيت ولا لاسيلي تسكيد لي سلا تركي نكوني دوبي 1520 ونبويرام ايري شو ما قرنوا نبويرام ايري ونزمر انسى تشريح افولي نزقى نزوي اي نسيني ثني اباريني هنا شحال يقي من غورنا 1500 1600 1700 1827 نرنا دغني نسى دو لوكيباسيون اللي عندنا غير ذا شوت لي ميراد القضاء لي زوميات يروح دار غورنا غير سي ستادي ديال الجزائر انا نخدم من الناس يعاودوا يوقفوا لا شنو ها واش فاش بار دو كابيلي لي تي با شي نهار دو لي فري شي نهار لي فري لا دوموندي دو لاس لا دوموندي دو لاس اي موح موح القاضي كي قال مجموعه لا ريفوزي il a refusé il a dit pour l'instant les français n'ont pas touché mon territoire moi je ne leur fais pas la guerre sur fillon tu me sais la guerre de jeddi c'est ça mich de rouh il est navon 661 eh je parle de 1750 amchi de rouh كل خنا تجدي تي لي جون نهضر فيا كان كي كنت مساوي شوف ماشي اي بان اما كا ما تبلو الناس ورضا اللي بلا ينكشنا في لا سيافور باق الزرار شهر نوض فيرس فهمو دونك اكو قالك سفاق نويا سان ميرت نسل ستوس دايرنا تم قرانت فهم دونك اللي ميرا بدا القضاء اي رون دافا ودي ويتكا في كل الجزائر فرنسا ما الجزائر ماشي نسل زيك اللي كوني بدنا كير هذا خص النيجار انت السنيجار انت على كاع كيف انت على كاع شنو غنساوي لي زيد ليا كان مدن كير كان تسوي غني فابار 700 ما قال كان راه شنت سوتا بركات الساكين كينو في غدا قبل مقران روماركي لي روتشيلد وزاين نجيو الامريكان ياكل جولمان ساكس ياكل وايل ستريت انت قاعد تنتابع بوان بار بو فاينيت كيرف فكال الجزائر لافريك دي نور فاينيت كيرف وشي تيجي لا موريتاني لا موريتاني سهل اني وعرب خدمه اسكي راك كتفض انت غاس دابا كان هذا مازيغ تفضي تمسلي ثارت كنا قلنا غنسي شبح حنن دي الجي اللي نوقد تمسلي هذا مازيغ اللي نوقد تمسلي ثارت بون الا هوني تمسلي ثارت هذا شي نكتو في لونغ جو سوي با راسيست في لونغ دا في ناس مي هو كي تمسلي بونوس دياس انا غاي ناس بونجورنو لا ريفي دي تشي تو اكسيتيرا سي بيان دو الا هي ونا دي سكشم مانيس دي سلاي مي دي مدان كي سون با سيري الا هو مدان هيدنا في سيريو الا هو مدان هيدنا نسافر سيريو الا هو نخدم نسوي نزدي الا هو نخدم انا سوي نزدي انا خاطر نسوي نزدي ولا خدم انا نزدي يا انا وناك اللي خدم انا نزدي نسقي ما ياسك اسد نقيم ياك سيا وسيا انا غازد نفك نقاهد نسقي اما لو كون ماتوا لو الناس في الاسيا اخر يبان انا ميزين غان لي جولدمان ساكس لي روتشيلد لي روتشيلد وقال لي جولدمان ساكس شحال كزري من نسان ابار ود سميتين اي مازيغون سورا كان باش هذا خصابوطين كي نزرع ديكوتي غامساود خاطر روحو ما يناد الناس مول صافي 14 قريب 15 سكواس رويلا غانا تمول دوبي 99 سكمت دو سيغاردي سيغل كواردون مي تكمل خدمة هكا كي تقول هذا كومن سيغ بلان ان بو بارتو مي بابا غار تمول اطاس كيغ بلان نيلو فيها تعرف سي داخل خامن بسم الله يقلوا شن بن قلوا شي تو اكسيتيرا انت ندق وتي سيت سيت سيلكت يتسمى كنا قلق نفغاز دو يا ربي اريا نجهد الى تعرف سني هذا غد السعس اي تعرف سني ما تشدو سيلكت نقال الا قد زرض بالليك ثم زيغ كيف لا تمسلي طرا طرا ريش لي قرا كاكي في الدنيا راه كاكي دي مازيغ ندوريجيني با تيزت خاطر عاين سارسيني مدوكا لي يون داير سيت ان افوكا يا غارم يقشق يقشقش اسان دقيقه راه ناس دومينيك الا ويل بيا
eh ben, tu m'y agarakni de l'Amérique du 7e d'Aki. Temps en temps, tu m'y agarakagim dans un café, eh ben, Hamelani, Hamelachzen, nous redemons les échanges. Il s'agit de livres, les Perses, Fahmad, Berbères, Gaulois, Fahmad, attention, les dynasties, attention. Mais, Kagi, Smith, Fchoualagik, Denner, nous connaissons. Amis, sous sélectionneur, c'est un Kagi, Stéphine, Nars le latin, Adina Razul, Zidda, le storm, le forensier, Adila, le forensier, Tamazir, c'est un Zouel, Karasanti, Romien, Nasafi, ici, Nénapet. D'ailleurs, يحمل سيد التطاس نغيث اش كاين صور دين نغيث ابرك شيني ذي جميز اللي ضد روح ضيفنا اوتوماتيكمون اكن انا غنمسك با وسيدي السلحاين لي روتشيلد امريكان لي جولمان ساكس ارنو ياس لا رويوم لي زونغلي ارنو ياس بنو هلال السعودي هيا تما كيما الاول اللي كان مسعود صور القطر القطر صور القطر الاول لاقيو نرجو J'aimerais bien juste revenir sur le, le mot Amazon. Ce qui m'intrigue le plus, c'est que comment se fait-il que ce mot se retrouve au Brésil? Oui, c'est vrai que ça peut... C'est un peu intriguant. Non, ça m'intrigue dans le sens où... Comment ça s'appelle la capitale du... Le Brésil lui-même, son nom. Le nom du pays, c'est Brésil. Oui, c'est Brésil. Et ça vient d'où ce mot? C'est un mot portugais, d'après ce que je sais. Portugais. Donc la Kahina était une portugaise. Non, je sais pas. C'est le prénom de sa mère? Non, sa mère, elle s'appelle Brésil. Non. Elle s'appelle Brésil. Donc, je ne vois pas pourquoi il serait. Brésil, il m'a dit. Il m'a dit. Je préfère Kahina. Comme moi, je m'appelle Msaoud. Voilà. Je ne donnerai jamais un nom à Mazir pour moi. Parce que je dois garder ce mot de Msaoud. Il me rappellera toujours la honte. D'avoir été vaincu. Moi, porter le prénom Karim, c'est une honte toute ma vie. Et ouais, mais je le porte. J'ai un deuxième prénom, mais celui-là, je le garde. Je porterai celui de la honte, celui que mes parents m'ont donné, parce que mes parents, à un moment donné, ils sont mis à genoux. Oui, mais Dihia, c'est son prénom. C'est un nom arabe. Dihia est arabe. Samza, c'est son nom. Elle s'appelle Dihia, elle s'appelle Damia. Tout ça, c'est des noms arabes. C'est des insultes. Kahina aussi. Je préfère dans ce cas Kahina. Et tu te souviens du sens de Dehia en arabe? Parce que ça signifie... Dehia, c'est une insulte. C'est une sorcière. Tu m'as dit non. C'est la sanguinaire. Non, Damia, c'est la sanguinaire. C'est Kahina, c'est la sorcière. Kahina, c'est... Oui, c'est vrai. C'est la sorcière. Je veux surfer, je veux surfer. هكا بسم الله دنينا خطر اباري عقبه ميسي شطب اكسيل ذي بسكره اون 680 سي با ذي بسكره ذي تهودا ذي تهودا ذي تهودا تهودا وي داكو دونك لا فيل كي ايتي اوكوبي بار لي لاش ميشيل البان سا سابيل تهودا سام دي لا فيل دي لاش لا في لي غور دي لي لي اكس لي فيني لابا الا اون لابيل دي لاش باسكو سي لابا كي لي عرب سو سون كاشي ميشيل البان وي السلفي كان بغا دانتيرفوني غا فولا قد انه كيما كهنه زرق شو راس قرن كهنه خطر عين زيك دي هي اونفا ثمزه
Je préfère ce mot. Hein, je préfère son nom, oui, c'est ça le ouais. Mot. Le vrai nom de Dihya, c'est Zamza. Zamza. Voilà. Alors, Dihya, tu lis, hein, par exemple, Zamza. Les soldats, يقول حسن بن نعمان خطر يتسوادت فقراس ما درقز يغتنا كشيني درقز انك تمتوس الور اسوالا لا تكتيك لا تكنيك فهم نسطغارا كل تيرا سندكني سندكني تستطاكين انفا مي دور حسيقار وين ذي لافرونتير تسمية قارن لافرونتير ان تونس بير العدر ناكا دايور ذي نتسنغان سي فو تو سا. C'est faux, tu sais, on veut nous faire croire à une histoire. Elle avait une autre tactique de guerre, c'était pas ça. Sa tactique de guerre, c'était pas ça du tout. Elle a une tactique un peu spéciale. Ce qu'elle fait, comme elle sait qu'ils viennent de la Tunisie, ils viennent vers les Aurès. Alors qu'est-ce qu'elle elle bouge toutes les sources. Ils ne trouveront pas d'eau. Elle laisse juste, elle trace un chemin qu'ils sont obligés de suivre pour trouver l'eau. Elle les oblige à venir par le sud. Donc c'est par les mêmes choses. Et elle suit le chemin qu'elle veut. Elle les a ramenés jusqu'à Sazgouart. Pourquoi on l'appelle Sazgouart? Sazgouart, oui. Il y a une grande bataille là-bas, elle les a... elle les a exterminés, tous. L'eau est devenue rouge. C'est d'un manège. On l'appelle Sazgouart. Ce qui s'est passé il n'y a pas longtemps, d'ailleurs on peut trouver ça sur YouTube et tout ça, il y a des vidéos. On a retrouvé des ossements là-bas, mais vraiment beaucoup, par milliers. L'Algérie a tout camouflé, elle a dit que c'était la France qui torturait les Algériens à l'époque, on les a enterrés là-bas. Elle dit donc, et ils disent en plus il y avait des harkis que il y a un film documentaire du Nord, il a été réalisé par Farid Bouchama, je ne sais pas si quelqu'un l'a vu, il y a deux parties. En fait il l'a fait sur Dieu TV, donc je pense qu'il n'y a pas trop d'accès aux gens. C'est un chrétien le Farid. Et il a réalisé justement, il a de Chichinac jusqu'à, on va dire, jusqu'à... L'arrivée des musulmans. Jusqu'à l'arrivée des musulmans. Et il a fait ainsi. Et même qu'on disait, c'est Orba qui a tué Dehia, c'est pas lui. C'est le troisième. Orba, il y aura deux fois, d'après ce que j'ai vu, il est retourné, il a été refoulé en Arabie deux fois. Et Dehia, même à un moment donné... Elle a voulu fuir parce qu'elle ne voulait pas la perdre. Non, mais Dehia et Orba, non, ils n'ont pas eu. Ça, je vais essayer de vous l'envoyer sur. Non, mais celui qui a tué. Vous nous direz. C'est Axel qui a tué Orba. Il n'y a pas de. C'est un film. Un film documentaire avec des images. Qui a été. Des oui, d'une heure, deux parties. Il a été réalisé par Karim Farid Bouchama. Mais en tout cas, je vais vous l'envoyer parce qu'il est sur Dieu TV, le site de la télévision la chrétienne, Dieu TV. C'est là que c'est eux qui l'ont financé. Et je vais l'envoyer sur Facebook. Vous allez donc, voir, vous me direz ce qu'ils sont trouvés. Et là, on voit sur YouTube. On voit sur YouTube. TF1, non, Antenne 2 et FR3 qui parlaient de la découverte des ossements en Algérie. Quand ils ont découvert là, à Tazgouart. Après, ils ont envoyé des spécialistes, voilà, étudier, ils voulaient savoir ce que c'est que c'est tout. C'est un charnier, avec des milliers de... Et ils ont dit non, c'était l'Algérie a refusé, donc elle avait dit c'est juste les Harkis qui ont été massacrés en 63, en 62, et la France qui torturait les comment s'appelle les maquisards, enfin les Algériens, et qui les enterraient là-bas. Donc il y a un qui s'est posé la question, il a dit si c'était la France et les Harkis, il n'y a pas autant, il y a trop dans ce monde. Là, Mbed, quand il est venu, il a cherché, il a trouvé des enfants. Il avait des enfants, il y avait des hommes, des femmes. Il y avait même ils ont trouvé des squelettes avec des lances, donc ils sont morts avec des lances, des flèches. Attends, la France, elle utilise ces trucs comme ça pour... oui, mais eux, ils ont tout
camouflé, comme quoi, non, ça n'a rien à voir avec... Mais il faut essayer de convaincre, tu vas voir, essayer de convaincre nos arabes, nos soi-disant arabes. Nos arabes, il faut essayer de convaincre que les...